Faites place à la cour du roi. Attendez, stoppez. On applaudit le roi. Elle est suivie
par Philippe de Montespan, princesse de... Non, non, pas du tout. C'est François d'Alençon, dame d'Orléans, duchesse de Longueville, en fer et or. Charles de Brémond, seigneur de Balanzac, et son épouse, Françoise de la Roche-Beaucourt, qui s'incline devant le roi, suivi de Catherine de Hangest, qui a épousé monsieur de Boissy. Catherine de Hangest, en vert et or. Donne les clés à Maître Rébaud, car c'est Maître Rébaud qui doit remettre les clés au roi de France. Maître Rébaud remet donc les clés à son roi. Et ainsi lui offre entièrement la ville. Cette fois la ville est vôtre en étant... Et avec joie et honneur, l'honneur de Villeneuve d'accueillir son roi François, notre gentilsire, de toutes les grâces douées, maître en équité. Mais qu'aviez-vous donc besoin d'embarquer dans votre suite toutes ces chambrières, ces bugadières et lavandières? Enfin... On grimpe, on va à gauche ou à droite? Chez mes fans. Fais pas trop ta belle non plus, hein. Tu verras, quand t'auras fait trois mioches et que t'auras pris des hanches, tu rigoleras moins. Quand même. C'est un point de sorcellerie. La pêche sur le tambour. Non. Hey, Marisette, elle comprend pas le mot. Touche à ton fessard, va. Hein. Ça va pas, non? Coudeau.